assez puissant et nous habitués à parler sur ce thème ça déjà, qui c'est Jean chapitre 4, verset 23. Mais on a commencé à lire à partir de verset 13, arrivé dans verset 24. Là. Alléluia, on ouvre la Bible nous ensemble. Thème nan dit, bon Dieu a cherché un vrai adorateur dans mi temps nous. Bon Dieu a cherché un vrai adorateur dans mi temps nous. C'est ça, thème nan dit. Dans verset 13 ans, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je ne prends de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je ne prends de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant ne prend ton mari. En cela, tu as du vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Maintenant, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. On nous baille un applaudissement pour parole ce matin. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est un très bel message. C'est un très bel message qui est assez puissant, qui plein avec en pile belle révélation. La donne histoire de la femme samaritaine. Donc, c'est une belle histoire côté que Jésus rencontré ensemble avec femme ça, mes bien-aimés. Matin, nous voulons parler plus concernant de l'adorateur dans le message là. Jésus était ensemble avec les 12 disciples. Et puis, pendant Jésus pour arriver, bon, puis Jacob là, bon, femme, non? Et puis, dans la stratégie, jeune Jean Jésus. Il y a mon cap dit comment Jésus, jeune Jean, monsieur son jeune Jean. Bon, jeune Jean. Combien d'aigles l'a causé là, qui remet pour qu'il y ait l'autre monde là? Non. Jésus t'a accompagné avec disciples. Et puis, pendant Jésus pour aller rencontrer femme, non? Jésus voye negyo al fon lot bagay. Li voye negyo al achete manje pou l kapab renkontre fòm nan. Alléluia. Yon nan bagay ki genyen mwen wè nan mesaj la, son kesyon de adorateur. Ki sa yon adorateur ye an realite? Yon adorateur li se yon amoure. Li se yon amoure, li se yon passionné. C'est ça yon adorateur. Yon amoureux, yon passionné.
et yon adorateur li très intime avec moun ke l'a adoré. Et c'est ça qui fait ou pral wè que femme non d'abord li ap chèche yon mari. La femme samaritaine l'a cherché un mari parce qu'elle pas gain mari. Parce que ça qui non maintenant, il pas pourri, mais le besoin un mari qui propre à lui-même. C'est ça que fait la femme samaritaine, l'a cherché un mari. Et en réalité, nous parlons dans le passage, la femme n'a pas tellement une nécessité pour de l'eau. Non tant longtemps que jeune fille qu'on a le nom de l'eau parce qu'elle connaît la rencontrer un monde, oui, mais elle pas gain, quand elle a pas gain de problème de l'eau vrai. Parce qu'elle connaît zone là et ti gens qui pour passer là. M'bral de l'eau parce que si ti gens jwenn avec moi, l'a mette bon ti parole en dans oreille moi. Donc et parole ça yo a fait me du bien. Donc femme samaritaine non, li rive bon puyan, li à la recherche de mari, l'a cherché yon mari parce qu'elle pas gen mari. Alléluia. Et difficile pour femme non trouver yon mari. Li difficile pour la femme samaritaine li trouver yo mari. Et Jésus aussi de même. Jésus a cherché madame. Parce que la femme samaritaine symbolise l'église. Jésus a cherché madame qui c'est l'église. Et l'église a cherché mari pour l'adorer. Et c'est ça. Rencontre de la femme samaritaine avec Jésus. Tous les démons ont cherché. Mais puisque nous connaissons. Entre mari et femme, c'est une question d'intimité. Laisse Jésus pour le rencontrer avec madame, non, lui voyait tout zamio à fond l'autre bagaille. Parce que c'est le moment côté qui me pral causer, me pral parler, sont question de royaume m'a arrangé, sont question de intimité, sont question de relation d'amour entre Jésus et la femme samaritaine. Parce que gain des conversations plusieurs moun pas attendre. C'est cœur à cœur. C'est nous deux seulement qui doit entrer en dans conversation ça. Et Jésus a approché. Jésus pas tant nécessité de l'eau physique là en réalité. Jésus pas tant nécessité de l'eau physique là en réalité. Mais toute jeune gens toujours une métaphore. Yo une stratégie. Yo gon langage pou yo employé, là yo pral présenter devant moun. Puisque Jésus pa gen l'autre façon pour approcher vers la femme samaritaine, li prend métaphore de l'eau, li présenter de l'eau comme un passage pour entrer dans conversation. Et puis Jésus mande femme nan anti de l'eau. Mais de l'eau, ça lui symbolisait quelque chose. De l'eau que Jésus m'a demandé femme, non, lui symbolisait quelque chose. De l'eau, ça Jésus m'a demandé femme, non, lui symbolisait la vie femme, non. Lui symbolisait la vie femme, non. Et de l'eau, Jésus dit, lui capable de faire femme, non, lui symbolisait la vie Jésus aussi. Donc ça veut dire, Jésus a cherché femme, non. Et femme non a cherché Jésus. Voilà que ils ont rencontré. Jésus dit femme non, sous te connais qui est moi. Ou t'as dit bon petit l'eau et moi même d'abord de l'eau. Qui pas ta jambe ou pas ta jambe soif encore. Femme non dit pour femme non parce que li pas connaît qui est Jésus en réalité. Et souvent fois ça passait à l'église. Dieu qu'on visite nous mais nous pas connaît si bon Dieu visite nous. Oui. Dieu est capable de visiter ou pas qu'on est. Parce que ou même on en blague. Mais pourtant, Dieu visite ou. Dieu visite femme nan. Parce que femme nan, il y a longtemps, la passé mari. Mais Dieu visite femme nan pour le restaurer femme nan. Pour le balayer un mari, pour l'adorer. Mais femme nan pas comprendre. Il pense que c'est des bagailles matérielles, Jésus a parlé. Et Jésus dit femme nan. D'abord, de l'eau, pas ta jambe soif encore. Femme nan dit Seigneur, bam de l'eau ça. Mais, femme nan, de l'eau, femme nan, pas vle bay Jésus, hein, qui c'est la vie, femme nan. Jésus dit un bagay, il dit femme nan. Il dit femme nan, ouais, de l'eau pour là, qui c'est la vie.
n'importe monde qui boit de l'eau ça l'a soif encore. Qui ça veut dire? Pendant m'a lu passage là et puis le Saint-Esprit de Dieu dit là Jésus dit femme non n'importe monde qui boit de l'eau ça l'a soif encore. Ça symbolise que même si femme n'a passé 50 maris sans Jésus, femme n'a pas jamais un vrai mari. Parce que aucune femme sous la terre pas qu'à satisfaire garçon sans Jésus dans la ville. Ça veut dire Jésus dit femme non, ou est de l'eau sans gagner, ou te mettre bail depuis ces garçons qui boivent. Ou te mettre marcher à travers le monde entier. Ou bail tout garçon boit dans de l'eau qu'on gagne. Il a toujours soif. Parce que garçon li insatiable dans relation sexuelle. Même si tu es belle, même si tu es belle femme, ou tu es une belle femme, ou tu es bien campé, sans Jésus, ou pas qu'à satisfaire un garçon. Ou t'as demandé pour qui ça dans le monde là? Valè nèg ouè qui gen belle femme et pourtant de nèg là al non l'autre fille. Ça veut dire beauté en femme pas qu'à satisfaire un garçon. Belle femme en femme pas qu'à satisfaire un garçon. Couleur, rang social ou pas qu'à satisfaire un garçon. Mais celle ça qui ka permettre que ou satisfaire un garçon, c'est l'orgue Jésus en dedans. Et c'est pour cette raison, avant Jésus, raison tellement claire, avant Jésus, un garçon te kage plusieurs madames. Parce que sans Jésus, il est difficile pour une seule femme satisfaire un garçon. Et aussi de même pour garçon. Hein? Sans Jésus, un seul garçon, il est difficile pour satisfaire la femme. Ça veut dire que c'est là Jésus vini, qu'on y a avec Jésus en dedans, ou qu'a satisfait Marie. Alléluia. Avec Jésus en dedans, ou qu'a satisfait Marie. Frère, gen moun ki nan moun lan, ki gon seul madame. C'est pour des raisons qui permettent yo gon seul madame, mais c'est pas parce que yo pa gen désir pour l'autre femme. Des fois, pour raison en social moun nan, nan place moun nan yal, obligé gon seul madame. Gan pile moun ki pa servi bon Dieu, ou dit comment ou fait gon seul madame. C'est pas parce que yo pa gen désir pour yal nan plusieurs l'autre fille, parce que garçon c'est kon sa lié. Yo gen désir, mais à cause des rangs sociaux li, à cause des places li, à cause des éthiques familiales li, qu'on y a là l'obligé gon seul madame pour que mes éthiques familiales li en bonne santé. Li pas obligé gen deux madame parce que li levé li joine tout monde dans famille, c'est comme ça, li garder principe la clair, mais c'est pas parce qu'elle va gen désir. Mais l'homme en Jésus vraiment, l'homme en Jésus son l'autre bagaille. Ça veut dire, là, Jésus a vivant, non, lui satisfait pour gagner une seule madame, un seul mari. Gen moun qui pa gen plusieurs, c'est parce que yo peur pour pas prendre maladie. Yo gen plusieurs causes, mais nous-mêmes, c'est pas maladie, nous peur. Mais c'est parce que nous gon mettre n'ap servi, nous respecter, mes bien-aimés. Alléluia, nous gon mettre n'ap servi, nous respecter. C'est pas maladie, nous peur, qui fait nous pas gagner plusieurs madame. Alléluia, c'est pas l'autre bagaille qui cause nous pas gagner plusieurs, mais nous gon bon Dieu dans ciel là, nous gon respect pour lui. Et seul moyen pour femme non suspendre passe mari, faut gagner Jésus dans la vie. Faut gagner Jésus dans la vie. C'est ça que fait une jeune fille qui passait 50 ménages. Il n'y a pas jamais gagé nos ménages pour faire vie. Pour qui ça? Parce que Jésus n'est pas clair dans la vie. Si Jésus n'est pas clair dans la vie, ou quoi dans beauté, ou quoi dans belle femme, frère, mettez belle sirade, bien coiffé, frère, ou pas qu'à satisfaire garçon sans Jésus. C'est là Jésus en non, garçon a satisfait, l'a dit maintenant, on seul madame, suffit pour moi, on seul ménage, suffit pour moi, à cause de qui ça? À cause de Jésus comme non. Jésus dit, femme, non, n'importe monde qui brède l'eau là, moun sa soif encore. Parce qu'on peut gagner dans la vie. Bon Dieu béni, on le bien aimé. N'importe monde qui boit de l'eau là, qui c'est la vie femme non. Femme non te mettre passer mari à gauche, mari à droite, ou pas jamais jouer nos mari qui est avec tout autant pas gagner Jésus dans la vie. Mais lorsque Jésus dans la vie, son l'autre bagaille. Mais bien aimé, qui monde qui marié, c'est celle l'église pour entrer pour te marier. Qui monde qui fonde des foyers, c'est celle l'ingénie pour te fonder foyer. Ou pas petit amen. Parce que
que coûte manchette dans l'eau pas gain marque ou pas dire amen parce que coûte manchette dans l'eau pas gain marque c'est celle dans Jésus ou t'es qu'à fondre foyer. Parce que c'est l'orgue Jésus non, c'est la Jésus dans la vie, c'est celle qui a fait un seul nègre avec vous. C'est la Jésus en train non, c'est celle qui a fait un seul madame. C'est la Jésus non, c'est celle Jésus qui a fait un seul madame, un seul mari. Pas que l'autre encore. Femme n'a pas cherché Marie, mais bien aimé, où t'es met à chercher, ou une belle femme, ou une belle couleur, sans Jésus, ou pas jamais réussi. Un bon mariage sans Jésus ou pas jamais réussi un bon foyer parce que c'est Jésus pour en dedans mais bien aimé pour capable réussir un bon mariage et un bon foyer sans Jésus c'est impossible en pile dans nous gens nous des vacabons combien ménages nous passer hein? Combien ménages nous passer combien vie hein? Nous gaspiller vie non nous bambocher hein? Nous gâcher vie nous mais là nous rencontrer avec Jésus lui fait nous satisfaire et ça fait au terre dit plutôt me gagne Jésus passer toute bagaille passer pour me tawa nos grands pays plutôt me gagne Jésus mes bien-aimés gagne pile dans nous t'a gagne temps mourir déjà soit dans madon monde dans petite monde mais Jésus vient restaurer lui faut satisfaire ou pour un monde pour faire vivre alléluia. Ouais, ou pour monde pour faire vivre. Quand pile dans nous t'a gétant fini déjà. Quand pile dans nous t'a drogué parce que nous t'a tellement passé fille, nous t'a tellement passé nègre et puis la vie a t'a vienne détchon. Des fois nous t'a senti c'est fille pour une fille pour à l'aise. Nous t'a senti c'est drogue pour nous prendre pour nous capable à l'aise. Nous t'a senti son tafia pour nous râler pour nous à l'aise. Mais là nous vienne joindre Jésus, lui fait nous sentir au Jean-Ya. On seul madame bon pour vous. Ou pas besoin de l'autre encore. Salomon t'a gagné 1000 parce que c'est ça. Sans Jésus pour te convenir, Salomon va être satisfait avec un seul madame parce qu'il peut te gagner Jésus en dedans. David te gagne plusieurs, tout ancien patriarche te gagne plusieurs madame parce que Jésus pour te prendre naissance. À partir de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous recevons une nouvelle nature, nous prenons l'autre naissance en Jésus-Christ. À partir de la naissance que nous prenons en Jésus-Christ là, qu'on y a un seul madame capable de satisfaire. On pas besoin plusieurs, on seul. À cause de qui ça? C'est pas parce que je suis capable, mais mon présence qui vit dans moi. Parce que bagaille que je pas de faire, Jésus vient vivre en dedans, l'ifel. Ça veut dire femme non. À partir de Jésus qui vient vivre en dedans, femme non. Jésus restaure femme non. Li restaure femme non. Et au pral ouais femme ça t'a marché par ci par là, qu'on y a femme ça li stable. Ou pral ouais femme ça marié, li chita, li fait petite, li gon foyer. Parce que pour qui ça? Parce que maintenant Jésus en dedans vit femme non. C'est ça Jésus fait. Il restaure femme là. Jésus bali de l'eau pale là. Jésus bali de l'eau pale là qui symbolise la vie de Jésus. De vous boire de l'eau ça frère, ou pas j'ai soif encore. Alléluia. De l'eau ça. Jésus c'est de l'eau qui bail la vie. Depuis l'aime rencontrer au Seigneur. Pas j'ai soif encore. C'est ça femme là rencontrer il rencontre avec Jésus. Jésus c'est où? Donc bye la vie. Oh, encore. Alléluia. Jésus, c'est où? Donc bye la vie. Oh, les couper. Les couper. Soif que me dégue. Alléluia. Levez mes mains, les couper, les couper. Soif que me dégue. Depuis le point de l'eau. Dans Jésus, dans le monde, il dit après porter vache pas chère,
mais l'on en Jésus après porter vache la plus chère parce que Jésus valorise vous. Dans le monde il dit après porter vache pas chère, mais l'on en Jésus après porter vache la plus chère. C'est ça qu'il faut. L'on en Jésus qu'on fin font timoun et puis gen nèg k'ap vini le connaissait courir vinn prend frère Jésus restaure l. Jésus restaure l. Gen nèg parce qu'on font timoun l'ap courir vinn prend. Ça veut dire que tant font timoun avait dit l'ap courir vinn prend n'importe l'elle vini ou bay frère li restaure. Jésus en dan. Li vinn gen plus importance parce l'elle pote quand même gen petite. Parce que Jésus change la ville. Jésus bay plus importance qu'on y a. Et c'est ça Jésus fait. L'elle change la vie ou li change li transforme la vie. C'est ça Jésus fait. Jésus remonte tes morales. Li c'est un bon mari. Oui, le rencontre avec lui, il fait des travaux extraordinaires dans la vie, mes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pour nous entrer dans le vrai thème adorateur, bien que nous ne pas bientôt finir parler de toute bagarre. Ou pas qu'à y un vrai adorateur sans conscience. Ou pas qu'à y un vrai adorateur sans conscience. Bah, moun ki bon côté là, y en prend de main, dis-le ça. Dis-le ou pas qu'à y un vrai adorateur ou bien sans conscience. Faut gen conscience. Femme nan ap chèche un moun pou l'adorer. Parce que femme nan d'abord li adoré mari. Li adoré mari. C'est ça qui fait dans l'Ancien Testament où est Sarah te relé Abraham Seigneur. Pourquoi? Pour qui ça? Abraham et Sarah relé Abraham Seigneur. Ça veut dire femme nan li à la recherche yon mari pour l'adorer et Jésus son vrai mari qui besoin adoration femme nan. Mais ou pas qu'à adorer bon Dieu sans conscience. Femme nan voulait adorer Jésus tout bon vrai. Mais Jésus relait conscience femme nan. Il fait appel à la conscience de la femme. Jésus dit femme nan, m'a pas de problème pour m'bo de l'eau qui c'est présence moi. Mais qu'on bagarre ou besoin faire. Ou besoin aller chercher mari. Qui ça Jésus dit femme non? Al chercher mari. M'pas gen problème. Là Jésus offrit femme non de l'eau, il dit si m'bo de l'eau, son pas j'me soif encore non. Jésus dit femme non dit Seigneur, bon de l'eau non. Jésus dit pas gen problème. M'a bo de l'eau parce que présence moi c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça même que je viens dans le monde. C'est pour me sauver l'humanité. C'est pour ça que je viens. Pour me sauver le monde. C'est pour ça même que je viens. Mais il y a une seule bagaille. Avant même que je bois de l'eau, il faut qu'on aille chercher Marie. En réalité, Jésus n'a pas dit femme non, aller chercher Marie. Pour aller chercher garçon en vinavel. Mais Jésus voulait entrer dans la conscience femme non. Parce que, il y a en réalité. L'a pas adoré sans conscience. Gen moun k'ap servi bon Dieu sans conscience. Comment on moun ap servi bon Dieu sans conscience? Malgré moun n'ap fait ça qui pas bon, mais mi kwa toujours dans bouche li. Malgré moun nan toute gagote, nan toute malpropreté, nan péché, mi kwa toujours dans bouche li. Frère, avons adoré al chercher mari ou avant adoré, mon nous t'a parlé mal hier à le chercher dans conscience ou. Avant adoré, mon nous t'a critiqué ou t'es sous dollars. Jésus dit avant pour cette scène matin à chercher mon ça dans conscience ou. Al chercher dans conscience ou soit t'a fait hier qui pas de bon malpropreté, adultère, fornication, méchanceté, vol, tout ça t'a fait pas bon. Jésus relé conscience son nom, lui dit avant ou recevoir de l'eau pas maintenant, faut courir mener toute bagaille ça yo. Parce que nous sous bluff, souvent fois nous sous bluff, femme n'a parler avec Jésus, c'est comme si son monde qui vierge. Écoutez, Jésus voulait faire femme non connaît.
nous sommes prophètes et nous seulement nous sommes prophètes. Je suis le roi de Dieu, le Messie. Ou pas qu'à mentir la femme. Ça veut dire, femme n'a pas causé avec Jésus jusqu'à maintenant, la causé tant que son vierge. Moun qui pas qu'on n'a rien. Moun qui pas qu'on n'a rien. Et puis Jésus dit, pas un problème, non? Conversation belle. Pour femme n'a lui-même, il connaît le fini de gloire. Déjà pour Jean-Louis, Jésus a pas la belle. Mais Jésus connaît cœur au matin. Ou pas qu'à bluffer Jésus. Ou à bluffer pasteur Jasmin. Ou à bluffer pasteur Dieudonné. Ou à bluffer pasteur Abel. Ou à bluffer évangéliste Vasselin. Ou à bluffer l'autre monde. Mou pas qu'à bluffer Jésus. Jésus connaît sac dans cœur. Jésus dit, femme n'a qu'on ça. Garde femme. Ou te mette à sourire. Virer. Ou connaît femme. Fait-il virer. Sourire. Comme si son femme qui vierge. Qui peut qu'on rien. Jésus dit femme non, me connais. Tout ce monde qui va côté là, tu me connais. Tu me connais. On va laisser perdre ça. Tu me connais. Jésus dit femme non, me connais. Ou pas qu'un bluff, me connais qui est souillé. Jésus dit femme non, me connais qui est souillé. On va avoir une bluffe. Des monde joue là pas d'or, c'est comme si son tissu sel pas rien. Et puis elle dedans toute gargote lui. Jésus dit matin me connais. Ou a bluffer pasteur Jasmin pour prendre cette scène, n'a pas un problème. Ou a bluffer pasteur Jasmin pour adorer. Ou a bluffer pasteur Jasmin pour faire toute l'autre bagaille. Mais matin Jésus dit femme non, me connais. Pas un problème pour me boire de l'eau, mais elle chercher Mario. On propose vierge ou là, vierge parce que coûte manchette dans de l'eau, pas de marque. Jésus compte tout coûte manchette dans de l'eau. Et moi qui prends un bluff, mais Jésus pas prendre un bluff. Et moi même qui prends un bluff. Mais quand t'as pour Jésus, Jésus pas prendre un bluff, parce qu'elle connaît cœur, lui sonde cœur, lui coupe zoo, lui sépare esprit avec âme. Jésus connaît tout bagaille. Ouais, Jésus pour elle dit, il dit femme non, je connais, on pas de problème pour me boire de l'eau. Mais elle cherche, petit moun yo fait complot sous l'IA. Quel moun nous touye déjà, ou propose ou pas jamais fanyen. Quel moun se ou touye la langue déjà. Avant on vient pour Sainte-Seine, non, Jésus dit, je connais. Rappelez-vous de sorte fait. Rappelez-vous avant hier. Rappelez-vous complot. Rappelez-vous qui injustice qu'on a fait. Rappelez-vous de ça. Jésus relève conscience femme non. Alléluia. Et là Jésus dit femme non ça. Femme non, Jésus dit femme non. Bon, ou passez 5 déjà oui. Et 5 mois ou passez déjà. Ou gagne un amour qu'il n'y a bon pas même pour vous même. Propose ou pas ham nan yen. Jésus dit femme nan. Ou propose ou pas ham nan yen. Et puis soudainement les abcès a pété. Femme nan levé. Il dit ha, a pas son prophète ou t'es. Je vois que tu es prophète. Parce que femme nan connaît secret ça yo te caché a c'est seulement un prophète qui t'est capable vraie vie que wap mené. C'est seulement un prophète, il dit a pas son prophète. Et puis rapidement femme nan recevra révélation ça, il recevra rema ça. Femme nan pas ka arrêter encore. Regardez, gen baga ou fin connait, gen baga ou recevoir pas ka même moun encore. Rapidement femme nan changer, li levé courir. Li entré en Samarie, là il dit moi rencontrer Messia. Moi joint avec un prophète qui dit toute bagaille de vim. Li compte toute la vim, li compte tout en dame. Tout autant, ou ap adorer Dieu dans l'hypocrisie ou pas jamais devenir un vrai adorateur. Tout autant ou ap adorer dans l'hypocrisie ou pas jamais devenir un vrai adoratrice pour Dieu. C'est à partir de là, femme nan sauté, li en joie, li courir, là il chercher l'autre monde. Pour dire, lui joigne un homme qui dit tout ça, moi fait. Femme n'a rencontré avec un rhuma pour l'adorer Dieu, pour le servir Dieu. Dieu a cherché un vrai adorateur dans mitan. Jésus-Christ dit femme non, Dieu a cherché des vrais adorateurs. Moun ki pa nan cache-cache li ben. Moun ki pa gon masse nan visage yo. En pile nan nou sak fè nou pa ka wè gloire bon Dieu. Nou pa vrai. Nou pa vrai.
moi même pas ka compter qui moun qui vrai qui moun qui faux. Mais certainement là nous avons cherché bon Dieu en tant que vrai adorateur, n'a joué nos l'autre bagaille parce que mes bien-aimés, Dieu li pas refusé vrai adorateur. Écoutez, entre prière et adoration, d'après vous-même, qui sont qu'on est Dieu plus besoin? Adoration. Parce que prière, c'est toujours demande. Mais adoration, c'est donner. Bon Dieu béni. Adoration, c'est donner. Mais prière, c'est demande. Yon moun kap ba ou avec yon moun kap vin mande ou, ki moun ou pire men? Moun kap ba ou. Le yon moun vin adorer Dieu, ba il vin ba bon Dieu. Mais prière, c'est toujours des demandes que nous adresser à Dieu. C'est ça que fait Dieu. Li pap cherche de moun kap prier. Mais Jésus Christ dit, Dieu ap cherche de vrais adorateurs. C'est ça la Bible a dit. Dieu pap cherche moun kap prier, mais l'ap cherche moun kap adorer. Et pendant ou ap adorer à Dieu pas refuser un adorateur. Dieu pas refuser un vrai adorateur. Non. Parce que pendant ou pas adorer bon Dieu, il a fait merveille, il a fait miracle, il a fait des bagages extraordinaires, son on pas même demander. Mais des fois nous tellement intelligents, nous courir à demander, frère, adorer Dieu plutôt pour elle. Adorer bon Dieu à tout cœur, offrir Dieu quelque chose de bon, offrir Dieu quelque chose d'agréable. Mais en réalité, nous plus sous show off. Gen moun se an l'église li adorateur. Frèm, yon vrai adorateur pa adoré en public. Yon vrai adorateur li pa adoré Dieu en public, mais li adoré Dieu en secret afin qu'elle est en public pour capable manifester quelque chose. Mais en pile nan nous c'est à l'église nous propose nous vin adorer. Non. Ou pa rencontre Jésus à femme nan, vous voyez tout nèg parti. Son rencontre de à deux. C'est nous dès pour rencontrer. Lorsqu'on voit adorateur ou entrer dans la chambre ou adorer Dieu, alléluia, sans personne pas besoin, ouais, que on adorer, ou chercher la face de Dieu. Mais depuis Jean ouais l'église d'ailleurs, gimbaga ou on a fait depuis Jean l'a fait là, ouais, c'est l'église d'a vinn faire. Li pas jamais go secret avec Dieu, li pas jamais go connexion à part avec Dieu. Alléluia, parce que yon adorateur, yon vrai adorateur son vie intime quelqu'un avec Dieu dans le secret. Là où est intimité, ce bon bagage qui fait en public, son bagage qui fait entre nous deux. Yon vie amoureux, nous disons adorateur son monde qui amoureux, son passionné de Dieu. Alléluia, lui toujours prêt pour l'adorer Dieu dans toutes circonstances. C'est ça. Un vrai adorateur. Alléluia. Et Dieu a cherché un vrai adorateur dans mitan nous parce que majorité dans nous c'est faux. Nous c'est faux. Pour qui ça nous c'est faux? Parce qu'en réalité nous sous show off, c'est ouais n'a fait mon ouais. Mais nous pas un vrai adorateur vrai. Parce que si Dieu t'a dit mais qui est nous yé? Si m'étais prophète même j'avais Jésus pour me dire matin me connaît ou pas besoin bluffer. Alléluia. Pendant que vous prenez cette scène, pendant que vous adorez, pas besoin de bluffer. Si vous connaissez même Jésus, quand pile dans mon matin que tu as levé courir, que tu as prendre cette scène. Quand pile dans nous que tu as levé courir, que tu as quitté l'église là. Si Jésus t'a descendu comme un prophète matin, dans mitan nous pour la révéler, qui style de vie que nous mené, qui comportement que nous gagnons, j'en nous rebelle, j'en nous arrogant, nous pas obéissant. Si Jésus t'a descendu matin, en pile dans nous que tu as levé courir, parce que nous pas dit pour nous présenter devant table là. Nous pas dit parce que l'homme n'a toujours comme ça. C'est même j'avais Judas qui a approché la table à venir prendre cette scène, mais le bien connaît le bras de Jésus. C'est pas parce que Jésus pas connaît Judas pour le vendre, mais ça a été fait. Jésus laisse le fait parce que Jésus pas prendre un bluff. Alléluia, gloire à Dieu. Gagne trois types d'adoration. Trois types d'adoration, femme n'en parler avec Jésus. Trois niveaux d'adoration, femme n'en parler avec Jésus. Dans verset 20, trois types d'adoration. Dans verset 20. Femme nan dit Jésus.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça, c'est le premier type d'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ou comment quel type d'adoration ça y est? Deuxième type d'adoration, c'est pour les Israélites, les Juifs, la religion. Il dit, vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Deuxième type d'adoration. Troisième type d'adoration, c'est Jésus qui parle à la femme. Il dit, femme, lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Alléluia. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Quand le salut vient des Juifs. Dans verset 23, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Troisième type d'adoration. Qu'est-ce que ça signifie? Femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel type d'adoration? Ça, c'est une adoration traditionnelle. Ou bien, t'as dit générationnelle. Ça, c'est une adoration génétique. Ça veut dire, depuis naissant ou héritier, adoration ça. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Quel que soit le monde qui peut accepter Jésus, ils sont adorateurs. Qui monde l'a pas adoré? Ou adoré esprit familial. Bon Dieu béni, qui ça nous adoré? Esprit familial. Parce que chaque famille, yon gagné yon esprit qui attaché avec chaque famille. C'est pas sans raison qu'on a un petit monde 5 ans, 10 ans et puis l'on a monté dans la tête. Oui. Parce que il fait partie de une lignée familiale. Ça, si vous ne connaissez pas pour un esprit qui est monté dans la tête à l'âge de 10 ans. Non. De pour fête, ou soyons adorateurs. Ou adorateurs à partir de familles qui sont sorties. C'est ça que fait femme nan dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Qui ça veut dire? Ou qu'on lève nos familles, qu'on pied bois dans la famille. Ou est-ce la baleine toujours l'humain? Ou qu'on lève nos familles, ou est-ce qu'on tout roche? C'est la grand-grand-grand-papa, tout le monde dès qu'on entre, il y a le trace son verve, il y a le fond bagaille. Ça, c'est l'adoration de nos pères. Bon Dieu béni. Ça, c'est lignée familiale. Et c'est ça que fait. Ou toujours, il y a un code qui marre, ou il y a une chaîne qui enchaîne. Ou pas toujours abréver, ou on a ancien naissance, ancien habitation. Ou qu'on son jouet, ou pensez son blague. Ça, son bagaille familial, son lignée familiale qu'elle y est. Là où on a un ancien petit caille en dehors, qui pas même existé encore, qui finit crasé, où est-ce l'oye, où est-ce l'oye promené. Et vrai, ou pensez son blague, ça sont affaires de nos pères adorés sur cette montagne. Ça c'est le premier type d'adoration que l'homme n'en recevra. Premier type d'adoration, ça c'est pas où qu'elle cherche, ou fait avec elle. Ou fait avec elle. Ça veut dire premier type d'adoration, ça, ou fait avec. C'est ça qu'il faut lever dans la famille. De pour lever, vous savez que des esprits qui t'en suivent vous. Des fois, vous avez choisi pour mon beau, pour divin, non, pour ceci, pour cela. C'est même esprit ça, yo. De pour faire ou faites ensemble avec vous, ça, c'est l'adoration de nos pères. Mais deuxième type d'adoration, femme n'en parler, il dit vous, les juifs, vous dites le lieu où ils devaient adorer, c'est à Jérusalem. Ça, son adoration religieuse. Yo dit, mais comment pour adorer? Faut mettre un petit bonnet sous tête. Faut bailler face ou nan mi, le mi de lamentation pour lamenter. Tout, ça veut dire son ensemble de principes religieux. Bon, il dit, mais comment on doit adorer? Lorsqu'on vient dans le temple, yo dit, mais comment pour yé? Mais comment pour chita? Ça veut dire son ensemble de principes, la religion, li mette en place pour moun capable adorer. Il dit, c'est ça, vous, ou même les juifs. Ça veut dire, si vous ne pas à Jérusalem, vous ne pouvez pas adorer. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais ou même juif vous dit, le lieu où ils devaient adorer, c'est à Jérusalem. Ça veut dire, quel que soit l'autre côté, vous ne pouvez pas adorer. Ça veut dire, le lieu pour adorer, c'est Jérusalem. C'est la religion. Deuxième type d'adoration, la religion. Mais Jésus vient avec troisième type là.
Oh mon Dieu, ça bon, formidable, extraordinaire. Jésus vient avec troisième type d'adoration. Gloire à Dieu. Dans verset 23, il vient avec troisième type là, mes bien-aimés. Il dit, mais l'est vient. Gloire à Dieu. Levez-moi, on le dit, l'est arrivé. L'est arrivé pour commencer une autre l'air d'adoration. L'est arrivé pour commencer une autre saison d'adoration. L'est arrivé pour commencer à adorer à nouveau. L'est arrivé pour commencer à adorer dans l'autre dimension. L'est arrivé pour commencer à adorer, alléluia, dans l'autre hauteur. Jésus dit, mais l'est est vient et elle déjà venue. Où le vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Matin dit, c'est par la chair, je ne vais pas adorer par la chair encore. Je ne vais pas adorer par la chair encore. Mais je ne vais pas adorer en esprit et en vérité. C'est ça. C'est pas adoration traditionnelle. C'est pas adoration de nos pères. C'est pas adoration à Jérusalem. Mais c'est adorer Dieu en esprit. Qui nous est capable d'adorer? Ça, c'est adoration, maman, à papa, t'es quitté pour vous. Adoration de nos pères. Jour où maman t'adore, c'est ou même ce qu'on soit adoré. Ou pourquoi qu'il y ait compréhension comment pour adorer Dieu? Parce que ça, c'est bagaille, maman, à papa, qui t'es pour vous. Ça c'est adoration maman à papa qui était pour vous. Ou pourquoi entrer dans vrai système adoration? Gon façon ou pas adorer l'église là? Ça c'est adoration bagaille maman à papa ou après régler. Ça c'est l'évangile maman à papa. Ça c'est l'évangile ancien monde qui était pour vous. Voir l'évangile là, lui pas entrer dedans. Voir l'évangile là pas entrer. Vraie adoration pas entrer. Ça c'est bagaille où tu apprendre avec maman, avec papa. Mais Jésus dit, l'est arrivé qu'on y a pour commencer à adorer. En esprit. Adorer en esprit, c'est pas adoration maman à papa, mais adorer en esprit sur l'autre dimension. Ça c'est moins qu'on y a. Quand jouer l'église là, ça c'est maman à papa qui mettait là. Mais quand jouer, oh moi, alléluia, moi quitter dimension maman, moi quitter dimension papa, moi quitter dimension religion, qu'on y a là, moi entrer dans dimension de l'esprit. Adoration ça va pas là. Qu'on y a, c'est pas ni maman, c'est pas ni papa, c'est pas ni religion, mais qu'on y a même, c'est esprit de Dieu qui s'élève, c'est esprit de Dieu qui remplit, souvent ma pas d'oreille comme ça, c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu qui remplit. Ma bien-aimée, quand je vois pas d'oreille, c'est pas maman, c'est pas papa. Quand je vois pas d'oreille, c'est pas religion qui va adoration ça. Mais quand je vois pas d'oreille, c'est l'Esprit bon Dieu qui remplit. C'est l'Esprit bon Dieu qui descend sur vous, qui voit pas d'oreille comme ça. Quand dimension, c'est l'Esprit de Dieu qui remplit. En pile dans nous, c'est une question de religion. Religion, adoration religieuse. Gonjon pour yé, gonjon pour camper, ou pas qu'à souke qu'on ni à gauche, ni à droite. C'est la religion, ou pas qu'à faire ni derrière. Même alléluia, ou pas qu'à dire, ou pas qu'à lever, mais c'est la religion, mon frère. Prem, le jour l'Esprit de Dieu rempli, ou pas lever dans ce même genre David. Ou pas qu'on est ni sous guérade, ni sous pas guérade, parce que l'Esprit de Dieu lui rempli. Tout autant on va faire style, on va faire broder, c'est la religion. Le jour l'Esprit de Dieu scellé, le jour l'Esprit de Dieu rempli, on va entrer dans l'autre niveau, on va entrer dans l'autre dimension. Il va demander, est-ce que pas pasteur Abel ça? Tout le monde, est-ce que pas pasteur Abel ça? Je dis à bagaille la chose, changer. Je dis à niveau adoration, changer. Là, il va demander, si c'est pas où ça? C'est pour dire, je dis à l'Esprit de Dieu rempli, bagaille a changé sur l'autre dimension, sur l'autre bagaille. Bah, le Saint-Esprit de Dieu, applaudissement. On a demandé. Frère Bruno capable de passer. Frère Bruno capable de passer. Avec un chantelan. Oh, gloire à Dieu. Ma bien-aimé, oh mon Dieu. Adore Dieu en esprit. Et tu vas faire, tu vas blague, tu vas faire, tu vas faire. Adorer, entrer dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit. Merci Seigneur. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Dame, on fait mes yeux. Oui, dame, on fait mes yeux. Dame, on fait mes yeux. On doit demander des Seigneurs l'autre dimension d'adoration. L'autre
l'autre dimension de l'ouvrage. Oui, Seigneur, nous voulons entrer dans l'autre dimension d'adoration. L'église la soif, une autre dimension d'adoration. L'autre dimension de prédication, l'autre dimension de l'orange. L'autre dimension de prière, Seigneur. Oui, nous besoin l'autre dimension, l'autre dimension parmi les musiciens. Et l'autre dimension dans le cantique, Seigneur. Fais-nous grâce, fais-nous faveur. Que nous recevoir quelque chose maintenant. Que nous recevoir troisième dimension d'adoration, ça. Qu'elle entre dans nous maintenant. Qu'elle entre dans nous maintenant. Qu'elle envahit le cœur, nous envahit l'esprit, nous maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur, nous adorons, nous bâillons gloire. Merci, Papa. Toute la vie, moi t'as souffert, t'as cherché. Tout le monde qui est membre de l'église qui part
descendre pour nous. Tout le monde qui se membre l'église, donc qui pas participer dans réunion membre sans motif, nous pas capable participer. C'est principe l'église là. C'est pas chaque jour qu'on a dit même bagarre là. Tout le monde déjà connaît ça. C'est pas l'église là pour pas créer des ordres. Nous déjà connaît sous pas non réunion membre pas motivé ou pas gain droit participer. Pas quitter m'a répéter même bagarre là chaque dimanche. Moun sou live pas besoin attendre des bagarre ça yo. Alléluia. Gloire à Dieu. Si gagne un visiteur qui visite nous. Ou dans condition ou gain libre accès pour capable participer ensemble avec nous. Alors, les nous dit visiteurs ou gain droit toujours l'église là, mon pour membre l'église là, ça veut dire sous pas affilié. Qui les nous reconnaît tout comme membre l'église là, c'est leur rempli formulaire d'affiliation hein? Et puis nous présenter au devant toute assemblée en réunion membre, nous reconnaît tout comme membre l'église là. Ou gain droit gain 1 an l'église là.